On n'a pas besoin de porter de grosses lunettes pour comprendre que le président Déby, il est parti en campagne dans le sud du Tchad. Pourquoi c'est maintenant qu'il va inaugurer, poser la première pierre, n'est-ce pas, des routes, de la route entre, par exemple, Pala et Kélo. Cette route-là, les gens disent qu'ils ont posé les premières pierres plusieurs fois. Pourquoi il va le faire maintenant? Vous savez que quand on inaugure quelque chose, ça ne veut pas dire que ça marche. Tout le monde sait qu'il est parti, il n'y a pas longtemps, inaugurer l'abattoir de Moundou. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas égorgé même un coq dans cet abattoir-là. Hein? Donc ce n'est pas parce qu'il a inauguré que ça marche. Hein? Donc bon, c'est de la... C'est de... Comment on appelle ça? Il veut tout simplement dire aux gens que après 30 ans de règne, c'est en ce moment qu'ils pensent à leurs problèmes. Et les gens chez qui il est parti là, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes, ils comprennent cela. Ils ont une intelligence, ils ont une capacité d'analyse et ils comprennent pourquoi le président est parti le voir. Chacun tirera les leçons au moment opportun.